un miracle que la balle soit ressortie immédiatement. Je vais lui appliquer des herbes. Victoria. Victoria. Qui est Victoria ? Une fille que j'ai perdue. Elle et Miguel ont été élevés ensemble. Et ils s'aimaient beaucoup. Victoria. Est-ce que vous croyez qu'il la voit ? Ça va être douloureux. Aide-moi, papa. Tiens bien ses jambes. Mais un autre ? Je sais que tu aimes Miguel comme un fils, Thomas. Et c'est justement pour cette raison que je veux te protéger par mon silence. De quoi tu parles ? Me protéger de quoi ? Des choses horribles qui vont bientôt se produire. À mon avis, il n'y a rien de plus beau au monde que le coucher de soleil sur la merveilleuse Saragosse. Mais qu'à cela ne tienne, continuons donc à jouer. Voyons voir ce qu'on a là. Pardonnez-moi de vous interrompre. Qu'est-ce que c'est ? Le capitaine Granados demande à s'entretenir avec monsieur, mais je ne le trouve nulle part. Il dit que c'est important, madame. Apporte des rafraîchissements, tu veux bien ? Je gère la situation. Bien, madame. Veuillez m'excuser un instant, mesdames. Nicolas ? Le capitaine Granados souhaite te parler. Il dit que c'est urgent. Elle vient de dire que c'était urgent. Ce nègre appartient à mon patron. Et vous nous devez un dédommagement pour son état. Non, je ne vous dois rien. J'ai fait mon travail. Que se passe-t-il, Granados ? Don Nicolas. Nicolas, selon Granados, cet esclave appartient à ta maison et il est l'un des voleurs de grand chemin qui ont commis l'agression envers Eugenia. Vous le reconnaissez ? Moi, je n'ai vu qu'un groupe de noirs, alors c'est peut-être celui-là ou un autre. Nous l'avons attrapé alors qu'il tentait d'attaquer une autre calèche avec deux complices. J'ai eu le temps d'en blesser un, mais je n'ai pas vu son visage avant qu'il ne s'échappe. Tu m'excuseras, Nicolas, mais je ne peux que constater que tu as des difficultés à gérer ton personnel. Dis-nous qui sont tes complices. Allez, dépêche-toi! J'étais tout seul! J'ai toujours su que tu aurais une mauvaise influence sur ce garçon. Une mauvaise influence? C'est lui qui a eu l'idée d'attaquer les calèches. Mais le moment est mal choisi pour en débattre. Nous avons autre chose à faire. Il y a une fête qui nous attend. Si j'étais toi, je parlerais. Tu as commis une grave erreur en choisissant ta carrière. Et tu as sauvagement agressé Eugenia Anton, la femme de mon associé. Dis-moi qui sont tes complices et je serai clément. J'étais tout seul. Recule, Morales. Ce n'est pas la procédure. Il aurait dû être présenté devant un juge. Je regrette que vous ayez assisté à ce triste spectacle. Maintenant, rentrons. Morales, occupe-toi de ça. Venez, général Francisco. Tiens-vous.
Nettoie-moi ça. Plus vite que ça. Qu'est-ce que vous attendez, hein? Enlevez-moi ça de là. Allez, on s'active. Mon père, ce que je m'apprête à vous dire doit demeurer un secret. C'est une affaire familiale et sérieuse. Il me semble nécessaire que Nicolas se marie à nouveau. Et il est urgent que nous trouvions une candidate digne de son rang. Je pense en effet que ce serait une bonne idée que Nicolas se remarie après tout ce temps, mais... n'est-ce pas à lui seul d'en décider? Si. Mais s'il ne trouve personne, il ne prendra pas la peine de persévérer. Vous savez bien comment sont les hommes seuls. Ils s'abandonnent facilement à la sauvagerie tant qu'une femme correcte et ferme ne leur montre pas le bon chemin. Je ne peux qu'admettre que vous avez raison. Il n'est pas bon pour un homme de rester aussi longtemps célibataire. Nous sommes d'accord. Et comme vous l'imaginez, ce qu'il nous faut, c'est une femme bien née, élevée en Espagne, n'est-ce pas? Absolument. Avez-vous une petite idée, mon père? Eh bien, pas pour l'instant, mais je compte bien mener mon enquête. Bien que j'ai peu d'espoir de vous trouver une femme jeune. Noble, oui, ça, ce sera facile, parce que les femmes déçues par l'amour sont légion dans les cercles de la haute société. Mon pauvre garçon. Nicolas a autorisé les funérailles, mais il a interdit la veillée de 3 jours. Nous savions tous les trois où cela nous mènerait. Juan nous a protégés. Il a préféré garder le silence pour que nous puissions continuer à nous battre. Ceci appartenait à Juan et maintenant il te revient. Qu'est-ce que c'est? Les économies de Juan. Parce qu'il voulait que tu sois libre. Il en manque un peu, mais je te promets de t'aider à réaliser le rêve de ton fils. Merci. Tu as toujours été un si bon garçon. Merci à tous les deux d'avoir été si gentils avec Juan. Honore sa mémoire, Angela. Utilise-le pour devenir une femme libre. Dieu te bénisse. Et puisse la vie t'accorder ce que tu désires. L'argent de ton affranchissement, Miguel. Je le sais. Et j'ai bien l'intention de lui en donner plus. Mais tu peux bien faire ce que tu veux avec. C'est à toi. Mais il faudra bien qu'on cesse de se punir nous-mêmes un jour, parce que ça ne sert à rien. Tu l'as dit toi-même, Trinidad. Je fais ce que je veux avec mon argent. Mais ce n'est pas la question. Beaucoup de choses vont changer avec la mort de Juan. Et elles vont changer pour de bon. À l'attention de la mère supérieure Josefina Torreones, Espagne. Ma sœur, je m'adresse à vous qui êtes la représentante de l'amour divin sur Terre. Et cela en ne doutant pas une seconde que le bien-être de nos paroissiens ait toujours été au cœur de vos préoccupations.
Étant donné ses qualités, il m'est apparu que vous étiez la personne la plus indiquée pour m'épauler dans cette mission. Considérez-la comme une opportunité de faire de l'Amérique un paradis terrestre aux yeux du monde, un continent où tout reste à faire et où l'amour n'est jamais déçu. Si l'on ajoute à cela la bonne situation du prétendant, vous devriez parvenir à intéresser quelques nobles dames désireuses de venir représenter nos valeurs chrétiennes à Santa Marta. Santa Marta, ma mère ? Oui. C'est une ville portuaire près de Carthagène des Indes. Et il me demande d'y envoyer une candidate au mariage et sa dame de compagnie. Je m'en remets à vous et place toute ma confiance dans votre jugement, père Octavio Boccanegra. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai trouvé comment j'allais rentrer en Amérique. De quoi tu parles ? La mère supérieure a des nouvelles de Santa Marta. Je vais saisir ma chance de retrouver ma famille et de me marier avec Miguel. Oh ! Miguel ! Ce cheval est assoiffé, donne-lui donc à boire. Oui, maître. Oui, tu vas boire. Et Don Nicolas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et pardon de vous interrompre, mais certains de vos esclaves insistent pour s'entretenir avec vous. Ils disent que ça peut pas attendre, j'ai l'impression qu'ils veulent acheter leur liberté. Très bien, dis-leur que je m'en occupe tout de suite. Oui, monsieur. Il va vous écouter. Bonjour, monsieur Nicolas. Si vous permettez, je souhaitais vous apporter le montant de ma liberté. Et d'où est-ce que ça vient, ça ? Eh bien, c'est l'argent que j'ai économisé toute ma vie. Vous savez que ma cuisine est très réputée parmi les autres haciendas. Très bien. Désormais, tu es une femme libre et tu n'appartiens plus à l'Éden. Ah, merci. Tu as payé pour avoir ta liberté et tu l'as méritée. Alors tu peux partir la tête haute. Tu n'es plus l'esclave de personne. Merci. Les choses seront différentes pour vous. Le prix à payer a augmenté. Pourquoi ça, monsieur ? Parce que la vie est de plus en plus chère. Mais c'est injuste ! Qu'est-ce que tu as dit ? Eh bien, je dis que d'après la loi du ventre libre, et comme ils ont plus de 18 ans, ils ne vous appartiennent déjà plus. Fais bien attention à toi. Ne me manque pas de respect. Je n'aurai aucun scrupule à ordonner qu'on te fasse fouetter, alors ne t'avise plus d'ouvrir la bouche. Morales ! Rassemble les esclaves, qu'on mette fin à cette discussion une bonne fois pour toutes. Allez, vous avez entendu ? Ne faites pas attendre le maître ! Je vais éclaircir un point sur lequel vous semblez très mal informé. La soi-disant « loi du ventre libre » ne s'applique pas sur mon territoire. Taisez-vous immédiatement ! Votre maître s'adresse à vous ! Silence, maintenant ! Merci, Morales. Les propriétaires d'esclaves ne comptent pas se laisser faire et se sont plaints au gouvernement. Et celui-ci s'apprête à revenir sur sa décision. Un affranchissement massif signerait assurément votre perte, en même temps que la nôtre. Supposons que vous soyez tous libres. Qui vous donnerait du travail ? Je vois d'ici les longues files qui vous attendent. Où est-ce que vous dormiriez et comment se nourriraient vos enfants ? Ce rêve de liberté n'est rien plus qu'une chimère. Alors le prochain qui me demandera d'être libre, sans me présenter l'argent qu'il me doit, retrouvera la raison sous les coups de fouet. Vous êtes logés et nourris pour travailler. Et certainement pas pour rêvasser, c'est compris ? Oui, maître. J'aimerais faire quelque chose de différent aujourd'hui. Je suis fatiguée de devoir répondre à toutes ces invitations à dîner et de côtoyer ces femmes ennuyeuses. Ça ne m'amuse pas. Pourquoi on n'irait pas plutôt faire une promenade avec ton futur associé ? Les esclaves disent que les abords du fleuve sont magnifiques. J'aimerais voir ça. Ah, mon chéri, ne me dis pas que tu t'es encore endormi. Édouard ! Édouard ! Édouard ? Édouard ! À l'aide !
sœur Édouard demeurera dans cette église, car sa place se trouve ici, sur la terre qu'il voulait tant connaître et qu'il chérissait. C'est ainsi qu'il pourra reposer en paix, maintenant que le Seigneur l'a rappelé auprès de lui par le biais d'une attaque de... d'émotions trop intenses. Je propose que nous lisions ensemble les textes que sa jeune veuve a souhaité partager avec nous tous pour célébrer sa mémoire. Garde si elle avouait l'avoir tué, je n'en serais pas surprise. Si jamais c'est le cas, alors c'est ce qu'on peut appeler une belle mort. Justice. Tu pourrais au moins faire semblant de pleurer. Pense à tes affaires. Sans ton associé, les choses vont se compliquer. Je ne pense pas, au contraire. C'est bien mieux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ne t'en fais pas pour moi. Je me comprends, et c'est bien suffisant. Où en êtes-vous dans vos recherches, père Octavio ? Le temps passe et toujours aucune nouvelle d'Espagne. Sauf que le temps est très précieux dans notre situation. Vous savez comme les communications sont lentes. Cependant, la mère supérieure m'a assuré qu'elle avait trouvé des candidates. Il y a bien une baronne et deux comtesses. Mais elles ont toutes des enfants. Il y a aussi une grande duchesse. Mais elle ne correspond pas à ce que vous cherchez. Elle a déjà presque votre âge. J'espère que ceci vous aidera à mener à bien vos bonnes œuvres. Et j'espère que cela vous permettra de trouver une jeune femme décente et assez noble pour Nicolas. Le temps presse maintenant que Genia est veuve. Comptez sur moi, Adela. Je vous dénicherai la perle rare sous peu si la mère supérieure ne l'a pas déjà fait. Je ne me suis jamais rendue à Santa Marta en personne, mais j'ai entendu dire que c'était une ville malodorante, envahie par les Noirs et les Indiens. Tu ne pouvais vraiment rien trouver de mieux pour moi, ma chère mère. Tu connais ta situation aussi bien que moi. Tu sais que tu n'as pas d'autre choix. Et tu es sûre que c'est la seule solution ? Est-il vraiment nécessaire de m'offrir sur un plateau à un homme ? À un grand seigneur, un homme très noble et très pieux, est ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas pour rien que son domaine s'appelle l'Éden. Aïe ! Pardonnez-moi, madame. En l'état actuel des choses, ou bien tu vas en Amérique, ou bien tu te résignes à une vie de vieille fille comme ces pauvres misérables. Tu en as là un exemple. Voilà à quoi ressemblera ton avenir si tu refuses de faire ce voyage. Si ça peut te rassurer, la mère supérieure m'a même laissé choisir l'une de ses filles comme dame de compagnie, pour qu'elle soit aux petits soins pour toi durant toute la traversée. C'est une maigre consolation. Mais qu'il en soit ainsi dans ce cas. Cela dit, ce mariage présente des avantages. Je vais avoir plus d'une cinquantaine d'esclaves pour me servir, et ce, de jour comme de nuit. C'est bien dommage que ce ne soit pas légal en Espagne. Parce que si ça l'était, j'aurais au moins un millier d'esclaves à mon service. Oui ! Espèce d'imbécile, tu n'es donc pas capable de faire attention ? Tu vas me transformer en passoire ! Veuillez m'excuser, madame la marquise. Pardonnez-moi de vous déranger. Madame ? Victoria, la mère supérieure voudrait te parler quand tu auras fini. Très bien. Excusez-moi. Veux-tu te dépêcher ? Je veux que tu te maries avec moi. Ah, avec qui ? Je sais que la bienséance nous impose d'attendre avant de nous marier, mais nous sommes faits pour être ensemble. Nicolas. Non, Nicolas, non. On ne sort pas d'un mariage pour aller s'enfermer dans un autre. Écoute. J'ai attendu que ce moment arrive pendant des années. Et maintenant que j'ai ma liberté, je ne compte pas la perdre. Combien de temps penses-tu qu'il te faudra pour terminer le trousseau de la marquise ? Ma mère, je comptais vous proposer de me permettre de travailler pendant la nuit. Et de dire aux sœurs de m'aider. Dans ces conditions, 2 semaines devraient me suffire. C'est excellent. Parce que ce que j'ai à t'annoncer va te rendre très heureuse. Tu vas bientôt être transférée. À Santa Marta ? Avec la marquise ? Oh, ma mère, c'est un véritable honneur pour moi. Je sais qu'il faudra travailler dur.
Mais j'accepte. Oh, mais la marquise a déjà choisi sa future dame de compagnie. Ce que j'ai à te dire est beaucoup plus important. Prépare-toi à intégrer un cloître dans les Alpes françaises. Ce n'était pas prévu ainsi. Il est temps que tu sois ordonnée en bonne et due forme. Et tu auras la chance de passer ta vie dans un lieu magnifique à l'écart des hommes. C'est un cadeau du Seigneur. Là-bas, tu vas enfin pouvoir te consacrer à la contemplation et offrir ta vie à Dieu. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son nom pour les siècles des siècles. Est-ce que tu dors? As-tu compris ce que je t'ai lu? Non. Je veux que tu te concentres davantage, Isabellita. Tu ne vas pas passer ta vie à jouer avec ton esclave. Oh, mère! Maman, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? J'ai décidé de me marier. Avec qui? Génia? Bien sûr que non. N'importe qui, mais surtout pas elle. Alléluia, loué soit le Seigneur. Je vais avoir une autre mère? Absolument. La femme que nous recherchons doit être dévote, discrète, éduquée, noble et issue d'une famille à la hauteur du prestige de la nôtre. Je suis d'accord avec vous, c'est la moindre des choses. Justement, j'ai reçu un message récemment d'une dame espagnole intéressée par un mariage ici, sur le continent américain. Il s'agit de la marquise Lucia de Bracamonte. Oh. J'ai ici la description complète de ses titres, ses qualités, ses habitudes. Et elle m'a même indiqué une date pour son voyage. Vous aviez déjà tout prévu, n'est-ce pas? Et sans me consulter. J'ai pris les devants parce que je sais parfaitement ce qui est bon pour toi. Tu ne peux pas m'en vouloir de remuer ciel et terre pour trouver une jeune femme digne de toi et de tes titres de noblesse, et de m'assurer qu'elle sera une bonne mère pour ta fille. Et qu'aurais-tu fait si je n'avais pas voulu d'elle? N'entre pas dans des détails inutiles, Nicolas. De toute façon, ce n'est pas comme si tu avais vraiment le choix. Au moins, elle s'est montée à cheval. Votre mère est une femme lucide et intelligente, Nicolas. Vous pouvez vous fier à ses choix. La seule chose qui m'intéresse est de savoir si cette marquise sera capable de me donner un héritier. Et si elle sera assez forte pour ne pas mourir pendant le voyage, bien sûr. Assurez-vous qu'elle ait suffisamment de sang bleu pour justifier sa venue d'Espagne. Le reste, c'est votre affaire. Il faut que je rentre en Amérique. Je ne passerai pas un jour de plus ici. De quoi tu parles? Elles vont m'envoyer dans les Alpes françaises. Elles veulent que je m'enterre là-bas. Mais je ne vais pas les laisser faire. Attends, Victoria. Respire un grand coup et explique-toi parce que je n'y comprends rien du tout. La seule chose que tu dois savoir, c'est qu'on s'en va ce soir. J'ai gagné un peu d'argent avec mes broderies. Et tant pis si aucun bateau ne nous accepte à bord. On voyagera clandestinement. Clandestinement? Mais enfin, on ne voyage pas dans une cale jusqu'en Amérique. C'est bien trop dangereux. Et si on se fait prendre, on nous jettera à la mer. Et comment comptes-tu retrouver ta famille? Tu n'auras pas un centime en poche et tu n'es personne. Pardonne-moi, mais c'est la vérité. Nous n'avons aucun pouvoir et nous sommes prisonnières d'un lieu que nous haïssons autant l'une que l'autre. Mais c'est la volonté du Seigneur. Et nous devons nous y soumettre. Au moins avec dévotion, si ce n'est pas avec joie. Quoi? Non, ça jamais, Remedios. Oh Seigneur, venez lui en aide. Je ne me soumets pas sans me battre. Et je sais déjà comment je vais m'y prendre. J'ai trouvé la meilleure des solutions. Dis-moi laquelle? Je ne serai pas personne quand j'arriverai en Amérique. Je vais y aller en tant que marquise. Tu as donné à manger aux chevaux? Oui, monsieur. Je vais les nourrir tous les matins à la première heure pour qu'ils aient du fourrage frais. Je veux que tout soit prêt pour l'arrivée de ma future femme. Je vais me marier. Tous mes vœux de bonheur, maître. Le bonheur n'a rien à voir avec ça, mon garçon. Tu l'apprendras bien assez vite. Mais ce n'est pas le sujet. Il y a intérêt à ce que tout soit impeccable sur tous les chevaux. Il paraît que ma promise est une excellente cavalière. Bien. Je vais vous montrer quelque chose. C'est notre jument la plus jeune. Elle s'appelle Neige, comme la neige sur la Sierra.
parles de la Sierra comme si tu avais vu les montagnes. Je les ai vus avant d'arriver à l'Éden, maître. Ma mère m'y a emmené quand j'étais petit avec mon grand-père Prudencio. Il a été tué quand ils ont pris le palenque. Alors prépare Neige pour la marquise de Bracamonte. La marquise ? Oui. Ma future épouse est marquise. Et si tout se passe comme prévu, elle arrivera dans 5 semaines. Tengo mi mata de rue. Déjà prêt. On s'est procuré le même type d'armes que celles utilisées par les Blancs. Mais écoutez-moi bien, elles ne serviront pas à nous défendre. Il est temps de passer à l'offensive. Exact. Désormais, les esclaves ne tendront plus l'autre joue. L'offensive ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On va se faire justice. Et éliminer chaque personne qui refusera d'appliquer la loi du ventre libre sur son territoire, comme l'exige le gouvernement. À commencer par ton maître. Nicolas Parreño est le plus riche de la région. Et avec vous deux qui vivez à l'Éden, ça va nous faciliter la tâche. Il faut frapper fort dès le début. Ça donnera une bonne leçon à tous les autres propriétaires. T'étais au courant, toi ? C'est la seule façon de leur faire comprendre, Miguel. Il faut qu'on emploie les grands moyens. Je croyais qu'on pouvait lui faire confiance. Et c'est le cas. Alors pourquoi tu fais les gros yeux, hein ? T'es pas d'accord avec ça ? Tu veux dire, est-ce que je veux un massacre ? Non. Ça ressemble à la liberté, mais ce n'est pas elle. Si tu te contentes de ça, c'est que t'es encore plus lâche que ton salaud de mec. Ils sont bien plus intelligents que tu le penses. J'ai accès à des informations qui nous seront bien plus utiles qu'un bain de sang. Ah oui. Mais si tu ne me crois pas, tire-toi. Attends, écoute-le. Parle. Dans 5 semaines, une marquise arrivera d'Espagne. Elle est censée épouser Nicolas. On peut tirer avantage de cette situation. Comment est-ce que ça nous aidera ? On va enlever cette femme pour pouvoir négocier. C'est mieux qu'un meurtre. Hé, ami, on a soif. Bonjour, mesdemoiselles. Il est l'heure de se lever. Allez, debout. Il est déjà très tard. Et Victoria ? Où est Victoria ? Notre chère Victoria s'est levée très tôt pour travailler. Enfin, à vrai dire, je ne pense pas qu'elle se soit couchée parce qu'il faisait encore nuit. Oh, Dieu merci. Qu'est-ce que j'ai eu peur ? De quoi est-ce que tu as peur, Remedios ? Oh, de rien. Ce n'est rien sur Alicia. C'est juste... J'ai simplement fait un cauchemar et il arrivait des choses horribles à Victoria. Oh, ces jeunes filles. Dépêchez-vous, c'est une journée radieuse. Madame la marquise, venez voir comme votre trousseau avance bien. Notre meilleure couturière œuvre sans relâche depuis des jours. Victoria, salut la marquise. Bonjour, madame. La marquise. Ce n'est pas parfait, mais ça ira. Il y a un problème, vous n'êtes pas satisfaite ? Non, non, ça ira. Ce ne sont que des détails. Dites-moi ce qui ne va pas, et je corrigerai ça immédiatement. Madame la marquise. Mademoiselle. Pardon. À vrai dire, je serais étonnée qu'ils s'y connaissent en broderie là-bas, alors ça ne fait rien. L'important, c'est de terminer à temps. Ce sera prêt à temps, ne vous en faites pas. Pas vrai, Victoria ? Bien sûr, ma mère, tout sera prêt à temps. Y a intérêt. Alors, comment est-ce que vous vous en sortez sans votre époux, Eugenia ? Très bien.
Édouard m'a laissé tellement d'affaires à gérer que je n'ai pas de temps à consacrer à ma tristesse. J'ignorais que l'indifférence était un bon moyen d'honorer la mémoire d'un défunt. N'est-ce pas, mon père ? Eh bien, le Seigneur nous montre différents chemins et différentes façons de vivre malgré le chagrin et la douleur. Je ne vois pas en quoi le fait de ne pas attendre que tout vous tombe du ciel est un péché. Les femmes d'aujourd'hui sont très indépendantes. D'ailleurs, je me dis que si je ne fais pas attention, c'est une femme qui me remplacera. Et c'est une bonne chose. Il se passe enfin des choses intéressantes dans le milieu des arts et de la politique. C'est ça le progrès. Ça en vaut la peine, surtout quand il s'agit de femmes vives et intelligentes comme Eugénia. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez dire par ne pas attendre que les choses vous tombent du ciel. Vous allez chercher un nouvel époux ? Certaines femmes ne sont pas faites pour le mariage. Je suis d'accord avec vous sur ce point, Adela. Puisqu'on parle de veuvage et de seconde noce, je vais en profiter pour vous parler du but de ce dîner. Je voulais remercier le père Octavio pour son efficacité et l'aide précieuse qu'il vient d'apporter à ma famille. Je vais me remarier. Vous connaîtrez bientôt ma fiancée. C'est la marquise de Bracamonte. Nicolas, c'est une excellente nouvelle. Félicitations, marquis. Santé. 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 Victoria, si tu n'arrêtes pas, tu vas te tuer à la tâche. J'y laisserai ma santé s'il le faut. Victoria, il est l'heure du cours de chant. La musique sera ton seul point de repère en France le temps que tu apprennes la langue. Ma mère, je voulais vous demander l'autorisation de rester ici aujourd'hui. J'aimerais utiliser ce temps pour terminer mes tâches. J'ai presque fini la robe de la marquise. Déjà ? Oui. J'en serai entièrement venue à bout demain avec l'aide de Dieu. Très bien. Nous avons confiance en tes doigts de fée. Tant mieux si tu termines le trousseau avec un peu d'avance. Prends quand même le temps de manger. C'est moi qui l'ai fait. Dépêche-toi, il faut qu'on la retrouve avant qu'elle ne revienne. Remedios, concentre-toi. Je t'ai dit que c'était une lettre arrivée il y a environ 10 jours. Il faut qu'elle porte le sceau du père Octavio et le cachet de Santa Marta. D'accord, mais qu'est-ce que tu comptes en faire ? J'en sais rien pour le moment, mais je trouverai bien. Regarde. Est-ce que c'est bien imité ? Non, on peut encore faire la différence. Victoria, je n'y vois plus rien, moi, à force. Je sais, je suis désolée, mais tout doit être parfait. Je vais en avoir pour toute la nuit, moi aussi. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire ça pendant la journée, sinon on risque de se faire prendre. Oh, mais vous devriez peut-être songer à maintenir votre voyage, madame la marquise. Pourquoi ? Ce Nicolas Parreño m'informe qu'il ne pourra tenir ses engagements, soi-disant pour des motifs personnels. Je me trompe ou cette terrible nouvelle te rend euphorique, Remedios ? Non, ma mère, absolument pas. Au contraire, ça me fait beaucoup de peine. Je suis désolée que vos espoirs aient été déçus. Mademoiselle la marquise. Je me fiche bien de vos lamentations. Tous mes projets sont tombés à l'eau. Mais tout n'est sûrement pas perdu. Comment ça ? Je pourrais écrire au père Octavio pour qu'il réfléchisse à une alternative. Il sera certainement en mesure de vous mettre en contact avec un autre prétendant. Non. Non, hors de question. Je ne veux plus rien savoir de ce maudit continent. Les hommes qui vivent là-bas n'ont visiblement aucune parole. J'ai déjà assez perdu de temps comme ça, alors c'est non. Je n'irai pas en Amérique. Je remercie Dieu de m'épargner ce destin misérable. Veuillez m'excuser. Mais nous attendons encore votre paiement pour la main-d'œuvre de cette semaine. Vous...
Vous n'allez quand même pas me faire payer pour un trousseau qui ne servira pas. Pardonnez-moi, Marquise, mais nous n'avions aucun moyen de le savoir. Et je me dois de vous signaler que notre couturière y a travaillé jour et nuit pendant des semaines. Et comme l'a dit lui-même notre seigneur, tout travail mérite salaire, c'est la moindre des choses. Ne vous en faites pas. J'enverrai une domestique pour vous apporter votre paiement. Bonne journée. Bonne journée, Marquise. Et que fait-on des robes, Mademoiselle la Marquise? Vous n'avez qu'à les brûler, ce n'est plus mon problème. Pauvre Monsieur Parigno, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. J'espère que tout va bien. Oui, oui, nous aussi. On a réussi! Tu as fait des miracles en imitant l'écriture du prêtre! C'était une œuvre d'art! Non, Remedios, l'œuvre d'art, c'était ton sceau! Alors il faut croire que nous sommes de vrais artistes! J'ai tellement hâte de voir ma famille et de revoir Miguel! Oui, mais c'est une chose de falsifier une lettre pour rompre des fiançailles, et c'en est une autre d'aller jusqu'en Amérique en tant que marquise. Ça ne sera pas simple. Je sais, ce sera compliqué, mais c'est pas impossible! Tu es folle, mais j'adore ça! Qu'est-ce que c'est? C'est un ragoût de caille aux olives avec des amandes grillées et des patates. Ça sent divinement bon. Merci beaucoup. Excusez-moi. Seigneur, bénissez ce repas ainsi que la talentueuse cuisinière qui l'a préparé. Emplissez aussi nos âmes si affamées et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. 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 C'est délicieux. Remedios a un talent indéniable, sa cuisine est succulente. Cet argent te revient de droit. Tu as travaillé très dur pour le gagner. Filons avant que tout le monde se réveille. Et si j'avais eu la main trop lourde? Oh mon Dieu! Pitié, protège les sœurs. Ne t'inquiète pas pour ça. Je les entends ronfler d'ici. Elles sont en train d'hiberner. En route. Oh, attends. J'ai oublié le plus important. Mais qu'est-ce qui peut bien être plus important que l'argent? Désolée de t'avoir fait attendre, Nicolas. Je suis assez pressé. Parlons tout de suite affaires, puisque de toute façon, c'est la seule chose qui nous lie encore, maintenant. Nous ne sommes pas liés. Comment ça? Tu annules tout? Tu vas perdre beaucoup d'argent. Annuler? Mais qui t'a dit ça? Je n'ai pas besoin de toi pour faire des affaires, Nicolas. Tu ne peux pas annuler un accord qui a eu lieu. Montre-moi le contrat que tu as signé avec mon époux. C'était un contrat oral entre lui et moi. Si tu étais un homme, tu saurais que ce genre de contrat se respecte. Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas choisi mon sexe à la naissance. Mais en tant que femme, j'ai mes propres lois. Génia, tu ne peux pas me faire ça. J'ai déjà échangé tous mes plans contre du cacao. C'est mon mariage, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu fais ça? Non, Nicolas. Comme tu l'as toujours dit, il ne s'agit que de commerce. Et je pense que mon mari a fait une erreur en s'associant avec toi. Je t'ai demandé d'être ma femme et tu m'as rejetée. Pourquoi est-ce que tu me punis? Parce que je veux être heureux avec quelqu'un d'autre? Tu es jalouse, c'est ça? Bien sûr que non, Nicolas. Alors c'est pour me rendre jalouse que tu te maries? Je croyais que tu t'intéressais au titre de noblesse. Même si je dois avouer que je trouvais ça un peu démodé. Les projets de ton mari étaient ambitieux. C'est une grande entreprise, il te faut des terres et tu n'en as aucune. Tu ne pourras pas te débrouiller toute seule. Ça me touche que tu te soucies encore de moi. Mais je n'ai pas besoin de toi pour choisir mes amis. Qui est ton nouvel associé? Tu le sauras bientôt. Mais certainement pas aujourd'hui.
Ma mère! Vous m'entendez? Réveillez-vous, ma mère, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons dormi un peu plus de 15 heures. Non, c'est impossible. Il est déjà plus de midi, ma mère. Et Victoria? Où est Victoria? Je ne la trouve nulle part.